Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, Diamond Painting, j'ai repris mon DP anglais aujourd'hui pour avancer un petit peu. Donc j'ai avancé un petit peu, quand je dis un petit peu, c'est vraiment un petit peu. J'ai fait un carré de 10-10, voilà. Bon, j'étais pas trop là aujourd'hui, on avait pas mal de choses à faire avec Chouchou. Comme je vous ai dit, depuis hier, il est à la retraite. Et donc, comme on a eu aujourd'hui les papiers de retraite, bah, il a fallu aller un peu, il a fallu faire des courriers et puis aller dans les administrations pour donner les papiers de retraite pour prévenir. Voilà, donc c'est chose faite, on est tranquille. Je vais vous dire tout de suite, on n'est pas prêt d'acheter une maison secondaire hein, avec la retraite, ça c'est sûr. Mon Dieu, dire qu'on cotise tant pendant 40 ans et pour gagner une misère au moment de la retraite. Mais bon, enfin, c'est comme ça. Donc là, aujourd'hui, oui, je vous disais, j'ai fait un petit peu mon DP anglais. Donc je vous remets en barre d'infos. Voilà, là, vous voyez, là, en dessous. Le lien de la boutique, le lien pour retrouver le kit et un code, code promo pour bénéficier de 10% sur votre commande s'il y a des kits qui vous intéressent. Car sur ce site, il y a de très jolis kits que l'on ne trouve nulle part ailleurs, qui sont faits par des illustrateurs et des illustratrices. Ça y est, j'ai su le dire pour une fois ce mot. Qui travaillent pour cette boutique. Et donc, ce sont des DP que vous ne trouverez vraiment ailleurs, vraiment pas ailleurs. Voilà, il fallait bien que je me bouscule quelque part en parlant. Et j'adore, j'adore, j'adore. Ils sont vraiment magnifiques. Donc, vous avez un peu tous les genres. Vous avez un peu pastel, vous avez un peu sombre, vous avez un peu les styles animaux. Vous avez, il y a vraiment de tout pour plaire un peu à tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, servez-vous du code promo, c'est là pour ça, c'est 10% c'est toujours bon à prendre, hein. Surtout par les temps qui courent, donc n'hésitez pas. Donc là, vous allez visionner cette petite vidéo, voilà, là, j'ai remis le petit gilet à chouchou parce qu'aujourd'hui, il ne fait pas très chaud. Voilà, la chaleur était là pendant 3-4 jours, mais là, elle est déjà repartie. Donc, ce week-end, je voulais faire un peu de jardinage, mais je crois que le jardinage va attendre la semaine prochaine. Voilà, ça y est, on fera de la cuisine ce week-end. Là, j'ai prévu de. Alors, d'habitude, je fais en gâteau pour Pâques, je fais un petit agneau, un lamala. Voilà, ça s'appelle un lamala. Mais là, bon, cette année, j'ai décidé de faire autrement. Je vais faire un moka, donc un nid de Pâques. Je vais faire ça. Et si vous êtes sage, je ferai peut-être une vidéo sur mon moka. Voilà. Seulement si vous êtes sage. Bon. puis, bon, repas de Pâques. C'est pareil, d'habitude je fais toujours du gigot, enfin, comme on est qu'à deux, je fais un demi-gigot, voilà, quelque chose comme ça. Mais là, j'ai du canard au congélateur, donc ce sera du canard. Voilà. J'ai rien fait comme d'habitude cette année. Façon, je dis comme on est qu'à deux, hein, c'est pas grave. Sinon, bah, rien de neuf, voilà. Que du vieux. Voilà, je suis en train de m'amuser avec mes petits poussins à les décoller. Les petits poussins. demain, je ne sais pas du coup ce que je ferai comme vidéo. Je verrai. Bon, je vous dis, dimanche, normalement, si vous êtes sage, je ferai la vidéo du moka. Enfin, si je le réussis, hein. Je ne sais jamais, si je le rate. Et sinon, ben, je verrai. Sûrement, peut-être coloriage. Ouais, je vais peut-être faire coloriage. Et puis, de toute façon, alors, lundi. Alors, bon, ça va être lundi de Pâques. Ah oui. Alors, dimanche,
C'est le dernier jour pour vous participer au concours pour gagner un diamond painting. Donc, n'oubliez pas de participer si vous ne l'avez pas encore fait. Retournez un petit peu en arrière pour avoir la vidéo. Vous pouvez encore voter. Alors, je regarde mon calendrier. Vous pouvez encore voter jusqu'à dimanche à minuit. Voilà. À minuit, c'est trop tard. C'est fini. Moi, je ferai le tirage au sort donc lundi 5, le lundi de Pâques. Je ferai le tirage au sort. Donc, on connaîtra le nom des quatre gagnants. Parce que cette fois-ci, il y a quatre gagnants. Et donc, je vais peut-être décaler. Alors, je ne suis pas sûre, mais je vais peut-être décaler ma vidéo pour le DP que je fais comme Sylvie. Mais bon, comme je vous avais dit, hein, comme Sylvie, elle ne le fait plus en vidéo pour l'instant. Donc je vais voir si elle peut, si elle m'envoie des photos, elle, de son DP. Et dans ce cas-là, je mettrai des photos de son DP dans ma vidéo. Moi, cette vidéo-là, au lieu de l'avoir le 5, vous l'aurez le 6. Mais bon, si je peux vous la mettre le 5, je vous la mets le 5, hein, comme d'habitude. Mais sinon, je vous la mettrai le... Je suis en train de dépouiller, dépouiller mes canards. Mes poussins. Sinon, je vous la mettrai le 6. Le 5 ou le 6, vous l'aurez. Voilà. Là, celui-là, DP, j'ai vraiment bien avancé dessus. Voilà. Et après, ben, là, ce week-end, j'essaierai de faire du coloriage. Voilà. On verra. Bon, je vous laisse. Je vais vous laisser visionner cette petite vidéo. Moi, je vais remettre mes petits poussins en place. Voilà, mes petits poussins. Petit poussin. Oh, le petit poussin de Pâques. C'est rien, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Mais j'aime bien ces petits poussins. Tout, 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 tout. C'est rien, ne vous inquiétez pas. Ça se soigne, hein? Oui, ça se soigne bien. Allez, j'y vais. Je vous fais des gros, gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous, et je vous souhaite un bon visionnage et des commentaires. Et dites-moi au passage ce que vous allez manger à Pâques, ça m'intéresse. Bisous.
Thank you.